Bonjour, je suis Eric Giacometti, euh, le nouveau scénariste de Largo Winch. Euh, J'ai travaillé avec Philippe Franck sur L'étoile du matin et les voiles écarlates. Alors, construire un scénario de Largo Winch, c'est à la fois simple et compliqué. Simple parce que le personnage existe avec ses codes, avec sa Bible, avec ses caractéristiques et son univers. Euh, ce milliardaire rebelle euh, qui évolue dans des, dans des intrigues euh, entre James Bond, euh, Wall Street. Et donc on est dans une ambiance techno-thriller écho. Euh, mais d'un autre côté, il faut se renouveler. Et le diable se nichant dans les détails tout est dans le renouvellement à la fois du personnage parce qu'il doit évoluer et le renouvellement des intrigues et l'insérer dans un cadre beaucoup plus contemporain quand on suit les, les aventures de l'argot ils font résonner en diptyque à hein. chaque fois une aventure de l'argot ce sont deux tomes et on s'aperçoit que vous avez des tomes qui sont très pointus très techniques financiers comme, euh, comme opa comme, euh, comme l'héritier quand l'héritier on apprend euh, Comment on peut hériter d'un empire avec euh, le groupe W. Et vous avez des albums où on a beaucoup plus d'action. Donc ce dosage, il varie en fonction des diptyques. Moi, la mission qu'on m'a confiée, c'est de revenir aux fondamentaux, mettre beaucoup plus de pédagogie en termes d'économie et de finance. Donc là, sur ce diptyque-là, euh, L'étoile du matin, les voiles écarlates, l'idée, c'était de faire découvrir au public la bourse du troisième millénaire, c'est-à-dire une bourse qui est très high-tech, euh, avec du trading, ce qu'on appelle du trading à haute fréquence. Donc il fallait quand même, dans ce dosage, Énormément de pédagogie, mais toujours avec de l'action, des décors flamboyants, euh, des courses-poursuites et tout ce qui va avec l'univers de l'argot, euh, ce côté glamour qu'on ne peut pas renier. Ce que j'ai découvert dans le... quand on passe de l'autre côté euh, du miroir, quand on travaille avec Philippe, c'est cette passion, c'est même plus de la passion, c'est de l'obsession pour le détail. Je vais vous donner un exemple. Euh, J'avais imaginé une scène euh, de course-poursuite euh, au Yucatan, dans le, au Mexique, et on voit ces fameuses pyramides que tout le monde connaît. Euh, et là, j'écris le scénario, okay, et moi, pour moi, il allait dessiner une pyramide. Bon, et en fait, ce que j'ai compris après, il dessinait la pyramide pierre par pierre. Vraiment, c'est quelque chose d'hallucinant. Et c'est pareil pour quand on a des décors, parce qu'il adore les décors en, en Technicolor, en Cinémascope. Quand on a une action, par exemple, à la, à la, à la Bourse de New York, bon, je mets façade de New York, je lui envoie le scénario, et il va dessiner jusqu'au moindre détail de la façade, le fronton à Wall Street de la Bourse de New York. Et ça, c'est incroyable. Le, je, le lecteur s'en rend compte par la qualité du dessin, mais il ne se rend pas compte du travail qui est en amont. En fait, je dirais que Philippe, c'est un peu un iceberg. Vous savez, vous avez la partie émergée, c'est ce qu'on voit, ce que le lecteur voit, et vous avez la partie immergée qui représente tout le travail. Alors, ce qui est fascinant dans le monde de l'argot, c'est que tout est possible. Euh, il pourrait s'appliquer cette devise que l'on trouve sur le blason de James Bond. Ça s'appelle Le monde ne suffit pas. Eh bien, pour l'argot, le monde économique ne suffit pas. Les thématiques sont multiples. L'idée, c'est de, plutôt de resserrer sur une thématique et de ne pas partir dans tous les sens. Alors, Vu le contexte, on pourrait se dire, on pourrait parler sur le Covid, l'influence, par exemple, d'une épidémie. Mais euh, il y a plein d'autres choses. Vous avez, vous avez l'espace, par exemple, c'est quelque chose dans lequel euh, on n'est jamais allé. Vous avez euh, les, les biotech, vous avez, euh, vous avez le, les, les réseaux sociaux. Le monde économique est, quelque chose, est un univers fascinant parce que ce n'est pas un univers statique. C'est un univers qui est en perpétuelle évolution. Donc, pour un scénariste, pour quelqu'un qui travaille sur l'imaginaire, et, et, et Philippe. Tout en étant dessinateur, est aussi scénariste quelque part, parce que lui aussi s'intéresse à toutes ces thématiques. Il n'est pas dans sa bulle. C'est pas quelqu'un qui va être complètement coupé du monde. Euh, après, il faut faire très attention. Il ne faut pas non plus trop surfer sur l'heure du temps, parce que si j'imagine maintenant une histoire en 2020 et que l'album sera prêt pour le, le lecteur en 2024, mais peut-être que ce que je trouvais moderne maintenant en 2020 sera déjà passé en 2024. Donc voilà, c'est un, une, une sorte d'alchimie où euh, il faut être attentif, ça c'était mon ancien job hein, quand j'étais journaliste économique, où il faut être attentif aux évolutions, aux bouleversements du monde, mais ne pas être opportuniste dans le mauvais sens du terme en se disant tiens allez je vais parler de l'épidémie, euh, les gens vont s'y intéresser, on ne peut pas raisonner comme ça. Ce qui est unique euh, dans l'univers de Largo Winch, en tant que personnage héros de BD, c'est le seul qui nous apprend le monde, en l'occurrence le monde économique. Moi, je me souviens, j'avais été fasciné par OPA. OPA, pour moi, c'est la référence. C'est très technique, mais je suis sorti de là. Je lis cet, 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 cet album qui, 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 qui caracole, qui explose de partout. On voit de belles femmes, c'est l'univers Largo. Ça pourrait être comme un James Bond. Mais c'est plus qu'un James Bond parce que quand vous sortez de là, vous apprenez les choses. Vous dites, tiens, sur OPA, moi aussi, je peux réaliser une OPA. Là, sur l'Étoile du matin, les voiles écarlates, euh, je me dis, si le lecteur comprend ce que c'est la bourse du troisième millénaire, il aura passé non seulement un bon moment de lecture, mais il aura pris quelque chose, il pourra aller plus loin. Et ça, c'était visionnaire, je pense, alors je ne connais pas Vanna, mais je pense que ce qui était visionnaire dans son travail, c'est qu'il a dû se dire quelque part mais mon lecteur, euh, je vais peut-être le prendre par la main, je vais lui faire découvrir un monde qu'il ne connaît pas. Et quel monde Parce que l'économie, honnêtement, c'est pas très sexy. Il a su rendre l'économie sexy, à la fois par son travail et par le dessin de Philippe Franck. Et honnêtement, rendre l'économie sexy, on est à Citéco, c'est un peu la mission de, cette, de ce musée.